objectif conférence matin, hein? C'est pour moi venir demander à tous les militants, combattants, alliés, qu'habitent Goumé pour stabilité. Militants qui sont dans la Tibonique, qui sont dans la Tibonique, qui sont dans la Tibonique, qui ont une mission et engagement pour la bataille, pour permettre tyrans, bandits, délinquants, officiels qui ont gros palto, qui portent le nom Yuri La Tortilla. Je dis encore, je viens demander aux militants pour nous lancer la bataille pour que Yuri rende compte sur 470 millions de gouttes l'argent Petro-Caribé que nous avons détourné, que c'est que la population a connu que Yuri a géré 470 millions de gouttes. Yon l'autre bord, je suis venu matin, à partir de yon vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, que moi j'ai trois bandits notoires, qui partent bandits petits, c'est bandits qui prennent la rue depuis ces bandits ça, trois bandits m'ont cité là, depuis 2004, yon pas jamais prennent la rue, parce que c'est des bandits que la police, depuis en 2003-2004, qu'ils ont cherché. Ça qui étonne, je vais vous dire ça avec l'honorable kidnappeur, sénateur Don Kato. Bandits, c'est des bandits. Tout le monde la République connaît, mais ils ont un visage dans le ghetto, mais ils n'ont pas un nom. Maintenant, je veux que le pays ait une reconnaissance à nous. Et déjà, il y a un policier qui sous cible à partir du Sénat. Bandi ça, il y a un nayo qui relait Constantin Pierre. On est qui retourne en arrière 2003-2004, on connaît ça monsieur Bandi ça yo. Ça yo fait en termes de crime. Mais qui pas jamais prend la rue son côté yorité, tout le monde a cherché à manger, l'autre allié bandit a cherché bagaille pot bayo parce que même yo pas prend la rue. C'est pour la première fois après 2004 que me recevoir yo matin à travers vidéo dans Sénat accompagné Don Kato pour entrer dans Sénat. C'est Constantin Pierre qui mandé la presse, mandé nous calmer l'enquête pour nous connaître personnage ça yo. Deuxièmement, ou gen Rico. Rico, c'est inconnu, mais il y a de l'autre militant, il y a de l'autre monde qui connaît non, qui travaille pour joindre au niveau de la police, non en complet. Mais Rico. Et troisièmement, c'est Tilou. Tilou alias l'homme. Nèg sa yo, c'est des nèg yo qui tenant des activités. Parmi lesquels Tiloua, c'est un moun qui te prend Jacques Roche, qui mettait Jacques Roche dans le bassin. Les salles tap travaillent ensemble à Kato. Parce que il y a Gabriel qui était avec lui. Ti Gabriel là, il est déjà. Mais et, trois éléments, ça nous citer là, c'est des éléments extrêmement dangereux. Moi, je dis qu'il ne peut jamais prendre la rue. Qui était dans la base, mais c'est le commandant qui baille mon don. Et c'est pour ça, matin, nous baillons conférence pour nous dénoncer trois personnes que nous avons qui accompagné un sénateur de la République et qui entre en dedans le Sénat. Deuxième raison, nous-mêmes nous dit, comment, je dis, des hommes d'État, des femmes d'État, des gens qui disent que c'est sénateur, des gens qui disent Yo gen responsabilité l'État, capable, on l'autre fois encore, chaque fois l'école pral l'ouvrir, c'est laisse ça, monsieur utiliser toute manigance, toute activité et criminelle pour empêcher maman, papa, qui a fait des sacrifices énormes. L'un des sacrifices, tout le monde connaît, 80 à 85% de l'école, c'est l'État. Ça veut dire que chaque parent consentit des sacrifices, prend des poignards dans le bureau pour permettre
yo préparer ça relé rentrer l'école timoun yo. Jodi a pour messieurs dames politiques yo choisi pour bloquer ça relé avenir hypothéquer avenir petit moi avenir petit tout avenir petit pa yo tout. Moun qui avec yo pa yo parce que yo même petit pa yo à l'étranger. C'est pour ça jodi a me demander tout militant qui lié à PHTK, qui lié à KID, qui lié avec unité, qui lié avec vérité, tout parti politique qui te fait consensus pour permettre jodi à président Jovenel là, je pense que c'est nécessaire pour que nous dégager une mobilisation, pour nous dégager une stratégie, pour nous dégager une bataille, pour nous contrecarrer ça qu'a fait là, parce que ça qui est dans la rue là, ce n'est pas la majorité de population, ce n'est pas le peuple qui dans la rue. Ça qui est dans la rue là, c'est des gens. L'on prend le cas régional Boulos qui te dit à partir du 4 septembre, il a fait tout ça au capable pour mettre le pays à tête en bas, sous base pour permettre le président Jovenel de quitter le pouvoir. Le président Jovenel, c'est vrai, il ne peut pas empêcher les gourmets contre le président, il ne peut pas empêcher les gens qui doivent remettre, les gens qui doivent contre. Cependant, nous pensons que c'est nécessaire pour nous jouer un consensus pour que la vie reprenne, parce que nous nous devons défendre. Lui prend l'argent pour y aller. Pour l'acheter patate, pour l'acheter yam, pour l'acheter banane, ou bloquer le Mariani, ou bloquer le Léogan, ou bloquer le Tigouave, ou bloquer le Akaya, ou bloquer le Kaba. Ça veut dire, ou prenez un peuple en otage, eh bien, je dis à me demander tout militant, reprenez le bâton pèlerinage, reprenez la capacité de mobilisation, pas prendre l'intimidation qui t'a fait nous paix, même penser, si nous faisons partie de la majorité, bon responsabilité pour nous prendre, pour nous dire oui. Mon pays a le droit à l'opposition. Mais non, nous n'avons pas le droit à quitter la population en otage parce que, vous regardez, au Venezuela, il y a l'opposition. Vous regardez Guaido avec Maduro, créer un couloir pour un dialogue entre eux parce qu'ils disent peuple vénézuélien d'abord. Alors que pourtant, la CAI pas nous, trois canègues ou un caprentri, que dans le Sénat, qui a fait un gros débat dans la radio, tout le monde sait, il y a des gros dossiers. Mais le fait que yo jouent de ça, yo impunité sans pareil, eh bien, permet jodi a c'est yo leader. Et c'est pour ça nous baï conférence matin, hein? Nous mandé pays a pour nous lever camper pour mandé à ce que petit nous capable tourner l'école pour la vie sociale, la vie économique là capable reprendre. Merci. Bandi ça a gagnou nan yo qui relé Constant Pierre et Constantin Pierre. Constantin Pierre. On est qui retourne en arrière 2003-2004, on connaît ça, monsieur Bandi Sayo. Sayo fait en termes de crime. Mais qui pas jamais prend la rue, son côté où était, tout le monde a cherché à manger, et l'autre allié Bandi a cherché à bagaille pour le bayo parce que même yo pas prend la rue. C'est pour la première fois après 2004 que je recevais yo matin à travers vidéo dans le Sénat, accompagné Don Kato pour entrer dans le Sénat. C'est Constantin Pierre qui mandait la presse, mandait nous calmer une enquête pour nous connaître personnage ça yo. Deuxièmement, ou gen Rico. Rico a c'est inconnu, mais il y a de l'autre militant, il y a de l'autre monde qui connaît non cap travail puis joindre au niveau de la police non en complet. Mais Rico. Et troisièmement, c'est Tilou. Tilou alias l'homme. Nèg ça yo. C'est des nègres qui tenant des activités parmi lesquelles Tiloua, c'est une namoun qui te prend Jacques Roche, qui mettait Jacques Roche dans le bassin. Les salles travaillent ensemble à Kato. Parce que y a Gabriel qui était avec lui. Ti Gabriel là, il déjà. Mais et trois éléments, ça, nous cité là. C'est des éléments extrêmement dangereux. Moi dit qui pas jamais prend la rue, qui était dans base, mais c'est commandant qui baille mot d'ordre. Et c'est pour ça matin, nous baille conférence ça pour nous dénoncer trois moun ça que nous ouais qui accompagné un sénateur de la République et qui entre en dedans Sénat. Deuxième raison, nous-mêmes nous dit comment Jodia, des hommes d'État, des femmes d'État, des gens qui disent que c'est sénateur, des gens qui disent que c'est une responsabilité de l'État, capable, on l'autre fois encore, chaque fois l'école pour l'ouvrir,
c'est là ça, monsieur utiliser toute manigance, toute activité criminelle pour empêcher maman, papa qui a fait des sacrifices énormes. Plein de sacrifices, tout le monde connaît 80 à 85% de l'école, c'est l'État. Ça veut dire que chaque parent consentit des sacrifices, prend des ponts dans le bureau pour permettre de préparer ça, de rentrer à l'école Timounio. Jodia, pour messieurs, dames politiques, ont choisi pour bloquer ça, l'avenir, hypothéquer, avenir petit, avenir petit, avenir petit, pas yo tout. Moun qui avec yo pa yo parce que yo même petit pa yo à l'étranger. C'est pour ça jodi a me demandé tout militant qui lié à PHTK, qui lié à KID, qui lié avec unité, qui lié avec vérité, tout parti politique qui te fait consensus pour permettre jodi a président Jovenel là. On pense li nécessaire pour que nous dégager une mobilisation, pour nous dégager une stratégie, pour nous dégager une bataille, pour nous contrecarrer ça qu'a fait là parce que ça qui dans la rue là. Ce n'est pas la majorité de la population, ce n'est pas le peuple qui est dans la rue. Ce qui est dans la rue, là, c'est des gens, l'on prend le cas Reginald Boulos, qui te dit à partir du 4 septembre, il a fait tout ça au capable pour mettre le pays à tête en bas, sous base pour permettre le président Jovenel de quitter le pouvoir. Le président Jovenel, c'est vrai, il a empêché les gourmets contre le président, il a empêché les gens qui ont droit de remettre, les gens qui ont droit contre. Cependant, nous pensons que c'est nécessaire pour nous jouer un consensus pour que la vie reprenne, parce que nous nous devons défendre. Lui prend l'argent pour ya, pour l'acheter patate, pour l'acheter yam, pour l'acheter banane, ou bloquer le Mariani, ou bloquer le Léogane, ou bloquer le Tigouave, ou bloquer le Akaya, ou bloquer le Kaba. Ça veut dire, ou prend un peuple en otage, eh bien, je dis à me demander tout militant, yo, reprend bâton pèlerinage nous, reprend capacité de mobilisation nous, pas prendre l'intimidation qui te nègre fait nous paix, même penser si. Nous faisons partie majorité, bon responsabilité pour nous prendre, pour nous dire oui, mon pays a droit à l'opposition. Mais non, nous n'avons pas droit à quitter la population en otage, parce que, vous regardez, au Venezuela, il y a l'opposition, vous regardez Guaido avec Maduro, créer un couloir pour un dialogue entre eux, parce qu'ils dit peuple vénézuélien d'abord. Alors que pourtant, la caille pas nous, trois canèques ou un caprentré, que dans le Sénat, qui a fait un gros débat dans la radio, tout le monde sait, il y a des gros dossiers, mais le fait que vous jouez de ça, vous avez une impunité sans pareil, eh bien, permet de dire à ces autres leaders. Et c'est pour ça que nous avons une conférence ce matin. Hein? Nous demandons au pays pour nous lever camper, pour demander à ce que petit nous capable de tourner l'école pour la vie sociale, la vie économique, capable de reprendre. Merci.